Cette politique de recherche au Sénégal, c'est un peu ce que nous avons essayé de voir pour dire que
fait, ces recherches-là, à ce que nous contribuons au développement du Sénégal. Jusqu'à présent, la recherche a quelques chemins encore à parcourir dans ce pays. Donc voilà, je vous remercie, nous sommes obligés de ramasser un peu. Merci bien pour votre attention. Donc, je disais que Bachir, comment se passe-t-il bien de dire que le politique, c'était aussi l'absence quand même de nation, hein, comme les chercheurs et le monde extérieur. Et ce monde extérieur, c'est d'abord les gouvernements. Et je crois que Yumi Touraba, les politiques, se pourra plus intelligent. Malheureusement, que les universitaires que nous sommes. Et le monde des entreprises aussi, je crois que ne prend pas en compte cet aspect de la recherche qui pouvait préférencer. Hein? Je crois que si l'État a défailli, quelque part, ce sont les entreprises qui devaient quand même mettre la main à la poche, et parce que, comme dit la relevé, la relevé est dans l'innovation. Et donc, en l'absence d'un département de recherche et développement dans l'entreprise, on a pu utiliser quand même ce monde de la recherche extérieure pour pouvoir en tout cas se porter vers cette innovation-là. Et c'est tellement terrifiant qu'à chaque fois que nos politiques mettent un plan de développement, à la première lecture, on n'a même pas besoin d'entrer dans le laboratoire pour comprendre qu'il y a des problèmes. La première fois qu'on a présenté le plan, c'était trois mois. Tout de suite, à la première lecture, j'ai dit le vélo. On a dit qu'on ne peut pas pleuvoir. J'ai dit bon, voilà, on va compter sur Inch'Allah. Et cette stratégie ne peut pas être conditionnelle. Pour dire que cette faille-là, souvent, ces politiques se croient plus intelligents et nous le savons. C'est vraiment comment. On va revenir en arrière, les expliquer aux gens, aux PME, aux entrepreneurs, les former. Pour qu'ils comprennent qu'on peut faire du biscuit autrement et moins cher, qu'on peut faire de l'huile autrement et moins cher. Une nouveauté qu'on appellera, comme le président l'a dit la dernière fois, un modèle économique inclusif pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Je vous remercie. Quand vous m'avez interpellé pour faire une conférence, la question que j'ai posée à professeur Diarraté, c'est quel était le temps et qui était le public cible. Alors, il m'a dit que c'est pour les doctorats. Et comme moi j'interviens beaucoup dans la formation des doctorats et des étudiants en master, je me suis dit, je vais faire un cours donc, à l'intention des doctorants. Leur permettre un peu de voir des choses qu'ils ont apprises depuis la première année, la statistique, comment la statistique a évolué jusqu'à nous permettre aujourd'hui de résoudre certains problèmes qu'on n'aurait pas soupçonné avec la statistique. Donc je vais commencer par des choses assez terre à terre. Voilà le plan de mon exposé, le vocabulaire. Statistiques, échantillonnage. Parler de l'inférence statistique. On en parle beaucoup, mais il faut bien préciser les choses. La méthode des sondages qui permet d'avoir des informations à partir d'une population. Et insister sur le fait que cette discipline est en plein essor. Avec ce qu'on pourrait appeler la statistique bayésienne, qui est assez théorique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Parler un peu de la statistique des extrêmes, nous avons l'habitude de faire de la statistique. Mais si vous posez la question aux étudiants de première année, ils pourraient se traiter X par la moyenne de la variance, etc. Mais la statistique des extrêmes va au-delà. On ne s'intéresse pas au centre, mais on s'intéresse aux extrêmes, au minimum ou au maximum. Alors c'est le maximum que j'ai déjà appelé la peur. Parce qu'il est bon. Ensuite, le développement de nouveaux modèles. Là, je voulais donner quelques exemples qui ont été
développés ailleurs, et des exemples qui ont été développés en Afrique, qui permettent quand même de voir que de nouveaux modèles statistiques sont développés pour répondre à des questions précises. Et enfin, je voudrais aussi donner la liste des quelques thèses qui ont été soutenues par l'UGB et quelques thèses en cours sur des thématiques transversales. Parce que l'école doctorale aussi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une fédération en principe de formation doctorale et les formations doctorales proviennent d'établissements ou d'équipes de recherche. Et donc, les gens doivent travailler sur des thématiques transversales pour parvenir à répondre à une question précise. Donc ici, j'ai voulu juste vous montrer que, en partant de la statistique de base, que nous connaissons, la statistique référentielle, etc., en passant par des méthodes statistiques beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus évoluées, on peut aller vers le développement de modèles statistiques qui permettent de répondre à cette question. Merci pour votre attention.